Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Soto, que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7, que le monde nous envie, le monde certes, mais nous essayons aussi plus modestement d'être euh, bah, la caisse de résonance et des des débats locaux. Alors les débats locaux, ils sont en train de monter en température un petit peu ces derniers temps avec les élections municipales. Elles sont certes au mois de mars, mais on sent que la tectonique des plaques est, est en train de, de jouer un petit peu. Thomas Cazenave, qui a présenté hier, euh, qui a lancé son mouvement, présenté sa candidature. Euh, Vincent Feltès qui a présenté un projet sur les boulevards et beaucoup de discussions à gauche. Alors, on va en parler de la gauche, puisqu'on voit qu'il y a des pôles qui se dessinent. On parle de Pierre Urmic et on se pose la question du PS, le Parti Socialiste. Alors, le Parti Socialiste, il est un peu palo, hein, on ne va pas se mentir, euh, depuis la présidentielle, il a repris quelques couleurs suite aux, aux élections européennes couilles de Bordeaux et des élections municipales. Pour en parler, je reçois Emmanuel Ajon. Bonsoir, bonjour, bonsoir Emmanuel Ajon. – Bonsoir Xavier Sautin. Euh, – Emmanuel Ajon, vous êtes, alors vous avez plusieurs casquettes, première secrétaire fédérale adjointe du Parti Socialiste en Gironde, vous êtes élu municipal à Bordeaux et vous êtes également vice présidente du département. C'est au titre de votre casquette de premier fédéral adjointe et d'élu bordelaise que je vais vous interroger aujourd'hui sur l'actualité. On va commencer par celle qui brûle relativement, soyons modestes, Thomas Cazenave a finit par arracher l'investiture. On dit bien arracher parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille de La République en Marche. Il s'est lancé dans la course municipale. Ça vous évoque quoi, Emmanuel Ajon La première chose que ça m'évoque, c'est un étonnement, un étonnement sur euh, comment La République en Marche choisit ses candidats locaux pour représenter les habitants bordelais. On s'appuyant absolument pas sur son tissu local et sur ses militants locaux donc un mode de gouvernance qui euh, m'étonne beaucoup alors que nous sommes tous euh, aujourd'hui persuadés que euh, la participation citoyenne dans la décision politique est fondamentale là c'est quelque chose qui est très euh, centralisé arrive, très voilà, d'appareil c'est du centralisme démocratique comme on disait euh, au parti communiste <laughs> euh, alors démocratique je ne le sais même pas j'ai l'impression que ça a été euh, discuté et choisi euh, dans des arcanes très fermés euh, d'un ouais. parti politique ouais. À Paris. Alors justement, euh, Thomas Casin se présente euh, avec une forte fibre sociale, explique-t-il, et se situe au centre-gauche. Un peu comme vous Ah <laughs> Non, alors que moi je ne le crois pas, ce qui m'étonne beaucoup sur cette position, que Thomas Cazenave, dans, euh, dans son idéologie à un moment, euh, se soit senti de centre-gauche, j'en suis persuadée, qu'il se présente aujourd'hui euh, comme un représentant de la République en marche et de centre-gauche, cela m'étonne et je vous prendrai un exemple. Comment sur une ville comme Bordeaux, où nous avons un problème d'habitat fort et de oui. bien habité et d'avoir un logement euh, compliqué pour les Bordelais, alors que nous n'avons pas 20% de logement social on peut se dire de centre-gauche alors qu'on a un gouvernement qui est en train de faire réduire le nombre de logements sociaux et met à mal les organismes sociaux avec sa loi Elan. Comment fera-t-il quand il sera maire de Bordeaux Quel sera son choix ?– Il y a une schizophrénie selon vous, parce que vous voyez dans le gouvernement, j'imagine, l'action de la majorité, euh, enfin où le balancier porte euh, quand même plutôt sur la droite. Vous comprenez pas en fait ce, ce, cette, ce positionnement euh, et de gauche euh, que, que semble revendiquer euh, Thomas Gazenave bah comment on peut se revendiquer de gauche avec la privatisation de l'aéroport de Paris, le logement social, l'ISF, euh, et se dire quand on est sur ce territoire, si si, je serai de gauche. Non, je crois qu'à un moment, je ne sais pas si c'est de la schizophrénie, c'est peut-être euh, ne pas être en lien avec ce que, euh, ce que sont les idées et les besoins euh, de gauche pour une ville comme Bordeaux. Alors vous avez pu bien communiquer, vous êtes assez sévère, vous parlez de parachutage. Il est quand même bordelais ce garçon, pour vous c'est un vrai parachutage ah, je suis étonné, il n'y avait personne d'autre à Bordeaux. On a des députés qui sont là, qui ont des, euh, des suppléants. Donc il y avait des gens qui sont déjà ancrés, a priori, oui. sur le territoire. Thomas Cazenav est-ce que vous le connaissiez, Monsieur Sautard Écoutez, c'est une bonne question. Non, enfin, <laughs> non. Mais on, a, on comme nombre on, de Bordelais, on apprend à se connaître. <laughs> on comme apprend à se de connaître. Et et Les mois qu on... qui viennent vont nous permettre de le faire probablement. Euh, mais être Bordelais, c'est pas être né à Bordeaux et avoir fait son école maternelle à Bordeaux. C'est y vivre, savoir ce qui se passe, euh, être sur le terrain. Je suis sur le terrain, mais je suis sur le terrain parce que j'habite, parce que je vis, hein, et, et parce que je, je suis comme tous les Bordelais. Hein, je vais du mal à prendre mon tram le matin. Hein, J'ai eu du mal à le me reloger dans ce quartier. Je sais ce qu'est Bordeaux. Vous avez une réalité. Alors, on parle beaucoup de Thomas Cazenave, mais au fond, euh, vous représentez le Parti socialiste. Vous êtes élu municipal, active, même très active. C'est qui, au fond, euh, l'adversaire entre guillemets, puisqu'on parle de politique malgré tout C'est la République en marche, Thomas Cazenave, ou c'est l'équipe sortante euh, qui est portée par Nicolas Florian je crois qu'aujourd'hui, nous sommes clairement face à l'équipe sortante. Un, je dirais pas adversaire, mais en tout cas, nous voulons porter une alternative à un autre projet Bordeaux autrement, vivre Bordeaux autrement en termes d'habitat, sortir des crises. Bordeaux est en crise par rapport au logement. Donc maintenant, Alors on va justement, faire. Justement, c'est quoi votre diagnostic aujourd'hui Vous le, enfin, on va en parler. Le Parti Socialiste travaille vos, mmh. vos troupes militantes travaillent. On va faire un petit point là-dessus. Mais là, euh, vos trois urgences. Il y avait trois urgences sur lesquelles il faudrait euh, bah, tout de suite euh, éteindre l'incendie de votre. Bon, la première est l'habitat. Bien entendu, aujourd'hui nous sommes la deuxième ville la plus chère de France après Paris, avec un, un, un prix au mètre carré moyen de 4700 euros, qui est extrêmement cher, en inadéquation avec les ressources euh, des Bordelais, avec un, un revenu médian qui est à, à 1400 euros. Euh, la deuxième, c'est faire de cette ville une ville euh, à ampleur écologique, avec capable de, de, de vivre les, les, les enjeux futurs. Hein, Aujourd'hui, nous sommes dans une ville avec des îlots de chaleur énormes euh, et en retard en, en termes d'écologie. Et puis euh, après euh, la troisième, c'est le cadre de vie. Dans le cadre de vie, il y a les services que de proximité. Dans, parce que il y a les services de proximité. Oui, ouais. alors c'est un mauvais Pour bien vivre ouais. dans une ville, qu'est-ce qu'il faut Il faut, il faut des, des écoles. Nous avons eu un plan urgence école. Il faut sortir des urgences. Il faut prévoir. Il faut. Nous sommes toujours en train de courir après des urgences du quotidien. À Bordeaux. Nous créons un plan d'urgence pour les écoles parce qu'il n'y en avait pas assez elles sortent dans des algeco. Nous sommes dans un plan d'urgence pour les crèches à la dernière euh, parce qu'il n'y a pas assez de crèches. Nous sommes dans un plan d'urgence sur les mobilités. Nous sommes un plan d'urgence sur les piscines. Bordeaux ne vit qu'avec des plans d'urgence. Sortant de ces plans d'urgence ralentissons et accompagnons la vie au quotidien des Bordelais de façon sereine. Vous le disiez, il euh, y a une thématique et qui va être euh, qui va être le fil rouge de beaucoup de listes, euh, à, à de rares exceptions près, c'est l'environnement. Là, il y a une urgence écologique aujourd'hui à Bordeaux. Enfin, en tout cas, environnemental. Vous parlez de ces îlots de chaleur. Vous faites quoi vous demain Vous êtes euh, maire de Bordeaux, Emmanuel Ajon. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire On plante des arbres sur la place Péberlan. Euh, quelle politique on entreprend pour, Alors... pour, pour mieux vivre On l'a vu. On vient de passer une semaine de canicule un peu un peu raide. En, en effet, donc, on plante. avant de planter des arbres, on arrête d'en couper. Ça, c'est la première chose. On arrête de faire de l'urbanisme qui crée de, la minéralisation et la perméabilisation des sols. On arrête de perméabiliser les zones encore humides de Bordeaux comme la Jallère. Euh, on stoppe tout et on récupère des dents creuses, peut-être pas pour la laisser à la politique foncière, mais pour créer des îlots de verdure. De verdure. Euh, alors, on parlait du Parti Socialiste. Aujourd'hui, comment ça va au PS Parce qu'on le disait, bon, la séquence n'est pas, est pas remarquable hein, depuis maintenant deux ans. Comment ça se passe à Bordeaux Vous travaillez vous en avez, vous avez Combien de troupes aujourd'hui le PS en Gironde et à Bordeaux alors en Gironde, c'est à peu près 1 personnes qui sont militants encartées ouais. hein, et euh, environ 400 sur Bordeaux. Donc euh, l'EPS euh, vit. C'est une grande famille Vous avez encore. pas eu d'hémorragie après ces rendez différents rendez-vous électoraux On a eu des départs un petit peu au, au moment des, euh, de la présidentielle. Mais aujourd'hui, nous avons des nouveaux militants qui arrivent, des ouais. gens qui sont euh, et, euh, en train de prendre leur carte aujourd'hui. Et je pense que euh, les Européennes euh, ont généré une envie euh, de remiliter chez nos vieux militants, mais nous voyons arriver aussi des jeunes des militants jeunes qui militants. viennent prendre leur carte au Parti Socialiste. Donc euh, on va pas si mal que ça, vous Monsieur Sota, si merci. <laughs> non, mais je prends des nouvelles, hein. <laughs> on est là pour ça quand même. Donc euh, vous n'avez pas si mal et vous travaillez. Le projet municipal, c'est quoi C'est ce sur quoi vous planchez euh, dans les réunions de section à Bordeaux aujourd'hui Comment ça se passe C'est quoi en fait le quotidien aujourd'hui des militants bordelais du PS alors, le quotidien actuel, c'est de voter sur des propositions programmatiques. Ils votent cette semaine euh, sur, ces sur, ces, sur ce programme, enfin les grands, les grands axes du ouais. programme, qu'ils ont eux-mêmes travaillé depuis plusieurs mois dans des commissions thématiques. Et surtout, nous avons fait euh, ce qu'attendaient les militants repartir de leurs envies, de leurs projets, de leurs idées. Parce que les militants Bordelais, ils ne sont pas que PS ce sont des gens qui vivent dans la cité, qui sont engagés bien souvent dans le milieu associatif, qui ont des idées et qui ont envie de participer au projet. Donc, on ne va pas leur imposer, on part d'eux et de leur base. Et donc, c'est un travail que nous faisons avec eux depuis plusieurs mois. Et puis, surtout, c'est eux qui vont choisir. Alors, j'imagine qu'on ne peut pas s'affranchir des des discussions tactiques, on va dire, aujourd'hui en tout cas sur la photographie. Alain Juppé est parti, les cartes sont rebattues, Nicolas Faureon a pris la suite, on voit qu'il y a un Thomas Cazenave qui se lance sur des thématiques plutôt proches, on va dire, enfin en tout cas une proximité euh, idéologique. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, qu'il y a une opportunité historique à saisir pour la gauche Là, je parle de la gauche dans son ensemble à Bordeaux. Pour ce municipal Je le pense. Alors, jamais rien n'est gagné en politique, bien entendu, oui. mais je pense que le scénario n'a jamais été aussi ouvert pour les forces de gauche. Dans ce cas-là, il faut que nous soyons une gauche unie. Et en tout cas, c'est sur ça, aujourd'hui, qui est mon cheval de bataille. Rassemblons euh, les forces de gauche. D'ailleurs, nous participons à des discussions avec euh, 11 mouvements de gauche, forces de gauche. Euh, tout l'été, nous allons nous rencontrer hein, pour. Euh, vous dites on formation, c'est quoi C'est les écologistes, euh, c'est euh, génération, le Parti communiste, le Parti, communiste. Euh, le Parti socialiste, Nouvelle Donne, euh, Place publique, euh, euh... le Parti radical de gauche. Euh, voilà, il enfin, fait a aujourd'hui en oublier, mais oui. on les voit à peu près. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc tout, toutes ces personnes travaillent pour produire un projet commun et des bases communes. Avant de choisir qui va tirer la liste, quelle place. Et, et c'est avant tout une discussion de quel Bordeaux nous devons offrir, euh, proposer aux Bordelais pour euh, les années à venir. C'est-à-dire, vous travaillez sur le projet, la question de la personne viendra après. Néanmoins, euh, on l'a vu, il y a un sondage qui a été fait pour Esprit Bordeaux, qui aujourd'hui est un petit peu la boussole, hein, on va dire, des, de, de la répartition de l'opinion. Et on voit qu'un Pierre Urmic est plutôt en tête. Est-ce que vous pensez que ce serait le bon candidat pour conduire une liste de gauche unie ou est-ce que c'est une place qui doit échoir au PS, de votre point de vue Non, je crois que le PS a, a, a montré qu'il savait, quand il le fallait, se mettre en seconde position, en tout cas se mettre derrière. Il l'a fait pour les européennes. Cela ne veut pas dire que nous avons perdu, d'ailleurs, des militants, euh, ni notre identité. Moi, en tout cas, si je dois porter le Parti Socialiste et représenter le Parti Socialiste à Bordeaux, je serai m'effacer pour laisser la place à la personne qui sera la plus à même de gagner. Euh, non pas un combat d'individualité, mais de projet pour amener véritablement un changement au Bordelais. Mmh. C'est-à-dire qu'un Pierre pour euh, pourrait avoir le costume pour... Euh... Mais pourquoi pas pour, Mais pour... c'est pas moi qui vais le décider. Ce sont les militants de toutes ces forces de gauche, je pense. Oui, qui, qui en tout cas, parler. moi. Personnellement, je ne suis pas gêné d'imaginer une tête de liste avec Pierre Urmic. – Voilà, mais il y aurait Emmanuel Ajon quand même sur cette liste. Ah, – J'espère bien, oui, pour <laughs> représenter même. le Parti Socialiste. – Pour représenter le PS. Alors justement, PS, on entend aussi beaucoup parler de Mathieu Rouvert, qui lui a sa petite association, enfin sa petite qui n'est pas si petite d'ailleurs, mais qui a une association qui travaille. Est-ce que, enfin vous êtes en ligne avec Mathieu Rouvert, est-ce qu'il y a le PS et Mathieu Rouvert ou… Euh, tout ça est amené évidemment à, à se fondre. Euh, Mathieu Rover est au Parti Socialiste, siège avec moi dans les groupes socialistes, euh, aussi bien à la ville qu'au département. Euh, il a monté une association euh, sur son canton pour faire vivre les forces qu'il avait sur son canton, et c'est très bien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, nous travaillons tous dans, les, dans les, des associations ou sur des sujets qui nous sont chers. Je suis extrêmement engagé dans les droits de l'enfant, le droit des femmes. Euh, tous les militants socialistes sont engagés quelque part dans un tissu associatif. Mais pour autant, quand nous sommes socialistes, quand nous sommes ensemble, c'est bien ça que nous défendons. Je pense que Mathieu Rouvert est exactement dans le même état d'esprit. Voilà, donc on devrait pouvoir faire une mêlée. Alors est-ce que cet attelage, il ne serait pas un peu baroque Parce qu'on l'a vu il y a deux jours, dans Sud-Ouest, Loïc Prudhomme, qui est le député de la France insoumise, la troisième. Bah, euh, ouvrez la porte à une alliance avec, avec un pierre Est-ce que vous pensez qu'il qui serait possible de, que vous siégiez au sein d'une même liste, et éventuellement dans une équipe municipale, avec la France Insoumise, avec des écologistes, avec euh, bah, des gens de génération qui ont quitté le PS, avec le PS C'est un attelage qui peut tenir c'est un attelage qui peut tenir si nous ne sommes pas dans un attelage qui est une somme d'individus représentant juste en partie un dogme, mais bien sur une équipe municipale qui a défini un projet et qui sait exactement où il va pour la ville de Bordeaux et pour les Bordelais. Et c'est ça que nous essayons de faire, en tout cas ce que j'essaye de faire au nom du Parti socialiste, mais que Pierre Urmic est en train de vouloir faire aussi. Et je pense que nous sommes tous là conscients qu'il y a un enjeu. Historique, en tout cas pour Bordeaux. Euh, et donc, nous ne devons pas être la gauche la plus bête de France, mais bien la gauche capable de montrer qu'une gauche est responsable et c'est créer, avec sa diversité de pensée, un programme dans l'intérêt de tous les Bordelais. Autour des urgences que vous diagnostiquez tout à l'heure, euh, notamment. Écoutez, Emmanuel Ajon, on a à peu près tout balayé, pas tout balayé, mais évidemment, dans les semaines et mois qui viennent, nous serons amenés à nous reparler pour voir ben, comment la mayonnaise prend ou pas. Merci beaucoup d'être venu et euh, je vous dis à très bientôt sur TV7. Vous retrouvez évidemment l'intégralité de cet entretien sur le site des TV7 ainsi que sur sudouest.fr et dans les pages du quotidien. Merci.